Bonjour à tous, mes amis. Eh bien, un petit édito qui va vous parler de Joe Biden, car actuellement, ça fait fureur aux États-Unis. Le pays est partagé en deux avec tous les problèmes que peut présenter cet homme qui est président de la République et qui a le pouvoir d'appuyer sur le bouton et qui est censé déclencher des guerres par proxy, etc., etc. Donc, je vous invite un petit peu à regarder ce qui se passe et à analyser un petit peu ce que sort un peu le Time et CNN, car nous arrivons à quelques mois. Voilà. Et on se demande si cet homme-là va quand même être nouveau président ou tout du moins candidat pour l'instant. How in the hell dare he raise that? I'm well meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. That's How totally bad out. Is your memory and can you continue as president? My memory is so bad, I let you speak. That's my memory. Your memory has gotten worse, Mr. No, President. No. My memory is not good. My memory is fine. You know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. Et voilà le travail. Dans un spectacle digne d'une pièce satirique, le débat de Biden a récemment dévoilé son déclin mental, sans aucun doute, au grand choc du magazine occidental de CNN, qui a publié à la hâte des articles de consternation, comme si cette révélation, en fait, les avait surpris. Et la réalité, il la connaissait depuis le début, mais commodément, les démocrates ont rejeté toutes ces inquiétudes comme étant de la propagande russe depuis quelques années, ou des théories du complot. Mais les démocrates, eux, se sont joyeusement présentés avec un personnage extrêmement docile à la Maison-Blanche, voyez-vous, un contraste saisissant avec l'imprévisible Donald Trump. Et l'élite a entretenu parfaitement bien l'illusion de l'acuité de Biden pour l'opportunisme politique, tout simplement. Maintenant, le masque tombe et ils font semblant d'être totalement surpris. Alors la grande dissimulation, l'une des plus grandes dissimulations d'Amérique, est en train de se dévoiler, et de dévoiler bien sûr que Biden était le candidat idéal pour 2020, donc une tempête électorale unique dans laquelle ils ont traversé parfaitement les événements. Cette élite, avec quelques appels aux élections maintenant, demande à le remplacer. Mais les initiés politiques reconnaissent la complexité de la situation et même une incapacité soudaine ne mettra pas fin à leurs prétentions d'ignorance. Donc, admettre que leur tromperie exposerait les élections de 2020 comme un autre coup d'État organisé par l'élite, eh bien, il est grand temps de voir à travers leur théâtre de guignol et de crier la vérité. Alors la récente performance, surtout de Joe Biden, dans le fameux débat avec Donald Trump, est une démonstration spectaculaire de sa totale sénilité. Mais l'élite occidentale, elle voudrait vous faire croire, eh bien en fait, qu'il s'agit d'une révélation choquante. Eh bien non, parce que Time Magazine et CNN se sont précipités pour publier des articles exprimant l'horreur et la surprise, comme si le déclin cognitif de Joe Biden était tout simplement un développement inattendu pour eux, ce qui ne fut pas le cas. Car en réalité, tout le monde le savait bien depuis le tout début. Ils ont simplement choisi de le dissimuler en rejetant toute affirmation, comme une propagande russe ou une théorie du complot. Alors les démocrates étaient plus qu'heureux d'installer une figure totalement contrôlable, comme une Muppet Show à la Maison-Blanche, un changement rafraîchissant par rapport à l'esprit indépendant de Donald Trump, qui lui était beaucoup trop mercuriel, beaucoup trop intempestif. Alors, et l'élite a donc joué le jeu, en prétendant que Biden était en parfait état mental. Donc la santé, pour des raisons de commodité politique, était bonne, mais maintenant, eh bien, ce masque qui s'effondre, eh bien, les rend un peu ridicules, car ils sont tous étonnés qu'il soit crucial d'exposer cette dissimulation, l'une des plus grandes de l'histoire américaine. C'est une farce. Ce pays est effectivement dirigé par un réseau obscur
d'élites extrêmement unies par une idéologie mondialiste libérale radicale. Biden, lui, était le candidat idéal pour les démocrates en 2020. Et précisément, eh bien, en raison de sa situation qui le rendait facilement contrôlable. Donc son parti s'est servi de ce visage public et l'a servi à l'élite mondiale, à l'élite américaine. Donc chacun voulait qu'il se conforme aux exigences en matière de politique intérieure et étrangère, et il vise donc à transformer l'Amérique en un mondialiste naturel. Et l'utopie, en intensifiant la confrontation de l'OTAN avec la Russie et l'Ukraine, mais leur stratégie en fait s'est retournée contre eux depuis le début du conflit. Car les élections de 2020 étaient uniques, c'est une tempête parfaite de facteurs qui se sont associés, y compris un référendum sur le vote par correspondance de Trump, et de plus la pandémie et une ingénierie de dernière minute. Donc, dans de telles conditions, tout était peu susceptible de s'améliorer. Tout cela a fait vraiment une sélection fantastique des incapacités de Biden, et les appels croissants pour le remplacer aux prochaines élections, avec Politico et NBC News, soulignent les difficultés d'une telle décision à ce jour. Même si une urgence, entre guillemets, le rendait incapable d'agir davantage, eh bien l'élite maintiendra certainement sa prétention d'ignorance sur sa santé. En reconnaissant leurs connaissances antérieures, ils révéleraient donc leur rôle magistralement diabolique dans le coup d'État de facto de 2020. Donc, l'ancien pouvoir avait permis de faire démissionner Nixon suite au Watergate et même à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et ce dernier élément a été conçu à cette époque pour pousser les États-Unis plus loin sur une voie libérale mondialiste extrêmement perturbée. Donc, ce n'est que grâce aux politiques nationalistes conservatrices de Trump, qui ont provoqué une guerre par procuration, soi-disant avec la Russie, que la stratégie visant à unifier l'Occident autour de cette idéologie est née. Donc, vous savez maintenant pourquoi nous sommes si obsédés par l'Ukraine, avec les dégâts causés par ces politiques qui sont substantiels, mais le retour potentiel de Trump pourrait toujours profiter donc aux Américains et à certains pays dans ce monde. Donc cette perspective, eh bien en fait, explique le farouche besoin de remplacer maintenant ou de ne pas remplacer Biden. Ils continueront à dissimuler leur complicité dans sa sélection en admettant qu'ils savaient déjà depuis le début qu'ils confirmeraient les élections de 2020 comme leur dernier coup d'État, d'où leur exagération actuelle. Alors, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas craindre la surprise, alors qu'on peut conclure que la réaction des élites occidentales au débat de Biden, le désir est une classe de maître pour allumer le gaz, en fait, on dit toujours. Le faible choc est une tentative désespérée de dissimuler surtout leur installation délibérée d'un président contrôlable, surtout flexible, comme une poupée tenue par des ficelles. La vraie tragédie ici n'est pas le déclin de Biden, mais la manipulation et la tromperie des élites. Alors ne nous laissons pas berner par leur théâtre, car il est grand temps aujourd'hui de dénoncer cette mascarade pour ce qu'elle est vraiment. Alors après avoir vu cela et étudié cela, eh bien, on peut se demander vraiment si nous sommes vraiment dans de réelles démocraties. Mais pour ma part, je pense en fait que des pays comme les États-Unis ne sont pas dirigés par eux, vous le savez très bien, par le président, mais par un deep state et puis surtout par le complexe militaro-industriel et les lobbyistes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et j'espère que tout le monde a bien voté. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito de demain, vraisemblablement. Voilà, à très bientôt. Ciao à tous.